Bienvenue sur Assistant de Sans bien. Moi, c'est Nickel. Aujourd'hui, il y a toute nouvelle vidéo. Je suis à votre maintenant après avoir tourné la vidéo. Parce que tout simplement, j'ai oublié de faire à votre truc. Voilà. Donc, ça va être le premier match des simulations de WWE Money in the Bank 2022. Donc, on aura le premier match. C'est le match entre Carmella et Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Je vous en avais bien. Je vais essayer avec la vidéo. Bon visionnage. Ok les gars, on est déjà dans le match. Et donc voici Greg Hamilton qui va nous présenter ce match. Ça va être un match pour le titre féminin de Raw. Et donc voici tout d'abord la challengeuse, la plus belle femme à la WWE selon elle, Carmella. Donc la voici. Voilà, ok. Mais je pense que c'est la même rêve. Elle est là. Elle va affronter Bianca Belair pour le titre. C'est assez inespéré, j'avoue. Parce que voilà, d'habitude, c'est des gros noms et tout là. Carmella, elle avait gagné un match. Puis bah voilà, elle est challengeuse. Donc voici Carmella. Elle est déjà isolée. She's also the best looking. According to many people, Cole, you clearly just don't speak to the right people. Well, Byron told me she wasn't the best looking. Why are you being a snitch, Michael? Would you take advice on whiskey from someone who's never had a drink? I don't think so. Gone are the days of okay. Moonwalking. Bon, maintenant, on n'attend plus que la championne, Bianca Belair. Il fait moins la meuf, je pense. Voilà, donc, Carmella est dans le ring. Et donc, voici Bianca Belair. La EST de la WWE. Plutôt la BEST de la WWE. Voilà, la championne. Et oui, comme il a dit, Michael Jones, c'est la meuf, c'est la femme, pardon, qui a gagné le Money in the Bank de 2021. Ok, donc, Bianca Belair est arrivé au ring. Je pense pas que ça va être un match serré. Parce que voilà, Carmella, Bianca Belair, ben, on sait qui va gagner. Hein. Ça va être Bianca, c'est quasiment sûr. On a aussi Greg Hamilton qui va introduire la challengers qui vient de New York, Carmella. Et voici la championne de Knoxville, Tennessee, la championne de Raw féminin, Bianca Belair. Donc là, voilà. Ok. L'arbitre qui va prendre la ceinture, il va la soulever. Ok. Voilà. J'aime bien. Ok, les deux femmes sont prêtes à combattre. Mais avant ça, faut que je me pose. Parce que j'ai voulu faire un truc. Un signe manette. Voilà, je n'ai pas joué. C'est une simulation. Voilà. Et donc, tu commences avec une suplex de Bianca Belair, non? Ok, ouais, c'est un petit spot. Voilà. Là. Le deuxième. Et maintenant, la suplex. Ok. Standing moonsault. Contré. Carmella. Coup de pied. Face Buster. Ouh, le petit coup de genou à bras. Coup de pied à la tête.
Une soumission, ok. Robert, Break. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ok, elle esquive. Ok, estimé. Elle va monter à la troisième corde. Elle va sauter, attention. Le dessin du coude. Le tomber, attention. 1, 2, et dégagement, ok. Pour l'instant, Carmella, elle a l'avantage. Elle s'est pris 0 dégâts quasiment. Bianca, elle a déjà perdu la moitié de sa vie. Le pied d'eau. C'est rentré, ok. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Un petit neckbreaker là. Ok, maintenant elle a le pied à la main. Le deuxième. Troisième. Et voici la force de la BEST. Tellement de force. Elle a soulevé Carmella pour un slam. Elle prend de l'élan dans les cordes. Ouh, c'est rentré. Dommage. Oh, la petite claque sur le pied. Ok, qu'est-ce que c'est fait? Elle esquive. Et... ok, Hurricane Rana. Ok, le dropkick au dos. Pas mal. Elle lève bien ta belle air. Le pied au ventre. Par un petit DDT. Voilà. Et Carmella... Carmella a un finisher. 1, 2, ah mais c'est spécial, le DDT, je savais pas. Ok, bah là, c'est le finisher, hein. Je pense, non, c'est rentré. Bianca, il fait son comeback. Ok, le petit point et tout, pas dommage même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne, le petit point. Et elle a la tête dans le poteau. Wesh. Ok, maintenant le petit coup de pied. Dans le coin du ring. Franchement, ça va être compliqué pour Bianca de gagner ce match. Carmella a très largement l'avantage. Oh là là. La tour de linge. Le finisher est rentré, les amis. C'est la terre, elle va la sauver. Pour un running power slam. Ok, après le long de la corde. Ok, un splash. Elle peut tenter un finisher, non? Ok, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Petit Ghostbuster, là. Ok. Encore du petit soin. Ok, pardon. À la main de Carmella. Ok, elle sort du ring. Elle va monter sur la troisième carte, attention à la sauter. Et non, elle s'est loupée. Ok, Carmella. Qui lui prend le visage. Elle est en train de l'aveugler, je pense. Ok, des petits pieds au niveau de la jambe. Là, elle lui tire le pied et tout. Ça doit pas faire mal. Ça doit faire mal. Ok. Encore un pied. Carmella. Comment ça va être la zone corde? Elle va sauter. La descente du coup. Pour le tomber. Et un. Et deux. Et le dégagement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Elle va tenter le finisher, Carmella. C'est une malade. Et oui. Si ça passe, ça peut être fini. Et non. C'est entré. Eh bien, t'as bel air de tomber. Un. Dégagement. Oh là là. Ok, le petit splash. Voilà. Bianca. Tu montes sur la troisième corde. Elle va sauter. Et c'est rentré. Le finisher est rentré, les amis. Super kick. Elle est sonnée. Elle est tombée au brain. Dommage. Bianca. Pour une souplesse. Standing moonsault. Je vais tomber. 1, 2,
Et dégagement. Oh, ça m'a tiré en vrai. Je pensais que Bianca allait gagner facilement, mais non. Ok, elle saute. On est un finisher. Et maintenant, ça va être fini. 1, 2. Et voilà, mes amis. Bianca qui a gagné. Oh là là. Elle reste sur son combat de haut. On dirait après tout. Elle va nous défendre. Après qu'elle ait défendu. I'm gonna watch you fall down. I'm gonna watch you fall down. I'm gonna watch you fall down.